Je vais mettre 10 heures en fait. Je crois que je me suis. Je me suis un peu avancé dans le titre là quand j'ai mis fin. On va peut-être pas le finir là. Hein. Attends, 8 sur 27, c'est les chapitres? Ah, mais en fait, on va pas du tout le finir là. Hein. Oui, j'avoue, je me balade. Ah non, mais moi, j'ai aucun problème avec ma façon de jouer. Hein. S'il faudra 3 streams, faudra 3 streams. Ah oui, je suis loin de la fin. Bon. Eh ben, on va voir. On va voir. Let's go. Continuons. Ah, on peut refaire les chapitres. Attends, parce que... Si la barre qui est en bas, c'est tout le jeu... Je suis à la moitié, je comprends rien. Surtout qu'il y a écrit... Je suis au chapitre, comme un chat. 6. Et là, il y a écrit 8 sur 27, je comprends rien. Ah non, c'est les souvenirs, 8 sur 27. Ah, c'est pas les chapitres. C'est les souvenirs, non mais ça va, en vrai, je suis à la moitié. Quand même, des fois, tu dois te creuser la tête. 200 de QI ici. Ça nous fait pas peur, ça. Ah, j'ai l'air d'être à peu près à la moitié. Bon, on va voir. C'est parti. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Il y a eu 6 ou 7 game over. Tu rigoles, mais moi à ce stade-là du jeu, je suis déjà mort deux fois, je crois. Même voire 3. Oui, c'est possible. Je me souviens plus là. On est où? On fait quoi? Ah oui, on était ici. Et on devait aller chercher l'arme magique là pour aller dans les égouts. C'est ça, Simus? Je vais faire réparer ce traceur ingénieux. Ok. Attends, mais du coup, je l'ai. Ah oui, c'est ça. Le traceur pour retrouver son père. Là. C'est Marty. J'avoue, il a la petite doudoune. It's a power of love. Il y a Doc, il y a Marty, il y a tout le monde dans le jeu. Ça marche, Oko. Bon lurk et bon film. Même si... C'est quoi ça? On est d'accord que... Que ça c'est pas normal hein. Même si j'ai pas trop aimé Vaiana. Ah quand j'avais été le voir au ciné ça m'avait un peu gavé mais... C'est quoi ça? C'est normal? J'aime tout. Ah non, mais après c'était pas difficile, oui. Ah moi il m'a saoulé, trop de chansons. Genre, même le film, il le dit, il se fout de sa propre gueule en disant encore une chanson. Ah j'en pouvais plus. Alors attends, c'est... C'est où qu'il fallait aller? Ah putain, j'aurais pas dû couper le jeu là, je me souviens plus. Il faut qu'on fasse réparer ce traceur, montre-le aux gens des taudis. Ils nous mèneront peut-être dans la bonne direction. Il avait pas dit qu'il fallait aller au bar. On va voir. Allez, on peut pas lui montrer. Il va détendre avec le boulot. Ouais bah. Profite bien. Après c'est pas... Visuellement il est très beau hein, le film. Bah moi aussi j'ai un poncho, il est là. Le barman pourrait t'aider. Ouais bah voilà, je savais que c'était dans le bar. Non, je m'en fous.
Bonjour, monsieur le barman. Jacob. Quel bel objet, et rare aussi. Je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il a beaucoup de talent, même s'il est un peu... Enfin, tu verras. Il s'appelle Elliot, mais je l'ai déjà rencontré, Elliot, voyons. On est potes avec Elliot. Son bureau est juste à gauche d'ici, à côté de la boutique de Mémé. Il y a plein de signes sur sa porte. N'en dis pas plus, bro. Ah, c'est vrai qu'on peut courir. J'étais rentré par où déjà? J'étais monté là, non? Ah non, mais c'était... Attends, c'était pas là, là? Merde, c'était où? Parce que la boutique de Mémé, c'est là-bas. Ah oui, c'est là. Bonjour Elliot. Ah non, ça c'est Nestor. Il ne m'intéresse pas. Je sais où est Elliot, merci. Le chat fait sa vie. Hop. Oui, je peux t'aider. On va voir. Ah ouais, c'est un super traceur, je connais ce modèle. C'est un Toima BR2000. Je suis n'importe qui avec ce petit gadget. Tu permets? Je te permets. Je peux réparer ça, mais quand je tremble autant, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je me sens pas bien, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'il va vouloir aller chercher encore? Tu veux que je répare ton traceur? Il me faut une couverture. Mais j'ai un poncho, mon petit pote. Tiens, t'as trouvé ça où? C'est génial. J'ai pas trouvé, c'est Mémé qui l'a fait pour moi. Laisse-moi l'essayer. C'est pas très beau. Mais en même temps, elle l'a fait avec des fils électriques. Regarde, plus de tremblements. J'ai travaillé à nouveau. Ah si, maintenant je vais sûrement pouvoir réparer ton traceur. Bah j'espère. Comment est-ce possible qu'il ait froid? C'est un robot. Traceur réparé. Tiens mon petit, bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Ok, on va retourner voir Simus. J'ai combien de... J'ai deux boissons énergétiques, il m'en faut trois. J'ai raté un distributeur quelque part. Le bug est toujours là. Hein. Vas-y, à faire réparer ce traceur. Eh oui. Tu as réussi, tu l'as réparé, bien joué. C'est quand même pas normal que ce soit un chat qui soit parti faire le boulot. Avec son gobelet. Mais le... Attends. Attends, mais on est d'accord que c'est vraiment une ref à Marty? Parce que... Alors c'est pas une casquette, mais son bob multicolore et arc-en-ciel là, en fonction de la lumière, c'est... C'est clairement Retour vers le futur 2. Hein. Même ses jambes, elles sont en jean. Alors papa serait vraiment vivant? Incroyable. Suivons le traceur, on va peut-être découvrir où allait mon père. Allez. Allons chercher George McFly. Ah, il a shooté dans la... Ça m'intrigue. Hein. Je vais faire des cauchemars de ça cette nuit. Hein.
C'est vrai qu'elles étaient cool, les musiques. Comme on a l'air de se la raconter avec notre démarche. Ok, ça a l'air d'être l'entrée des égouts, là, ton délire. Alors c'est ça, il a vraiment quitté les taudis. C'est dangereux ici, mais je dois m'en assurer, j'ai besoin de savoir. Allons-y. Ah oui, ça a l'air dangereux, effectivement. Ah, j'ai pas vu, t'as mis un clip. Ah oui, c'est le clip. Non, c'est bugué. Ah, ceux qui m'avaient enfermé, genre, va voir ce qu'il y a. Regarde-moi tous ces œufs de Zurks. Ils vont nous dévorer, je ne peux pas faire ça. Je suis pas aussi rapide que toi, les Zurks vont m'avoir, c'est sûr. Oui, il va vraiment voir au casse-pipe pour toi. Tiens, prends ce badge. Mon père le reconnaîtra. Il saura que tu es un ami. Oh. Je vais t'ouvrir la porte. Merci, mon brave. Ah oui, on est vraiment en bordure du cylindre. Donc là, il peut y avoir des ennemis. Non, ça va, la musique est plus que rassurante. Petit souvenir. Regarde la taille de ce mur. Je me rappelle, c'était un symbole de la division entre ces deux entre ceux des taudis et ceux du centre-ville. En y ajoutant le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter des déchets par ici-bas. Quel comportement lamentable. C'est peut-être ce qui a provoqué leur chute. Ah ouais, d'accord. Le jeu a un message hein, quand même. Hein. Plus de sec. Ah, merde. Oh shit. Hein? Ouh là 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 là. Ok, c'est ce genre de niveau. C'était limite là. Bah alors, il est nulos. Il me faut il me faut l'arme là. Ça, on reprend de l'élan. Ah, ça ne suffit pas. Alors, on va reprendre de l'élan d'ici.
Allez, de tout ton poids, mon petit. Attends, avant d'y aller, on va... Est-ce que ça repart sur une phase à la Uncharted, là où faut courir? Ah non, ok. Mais là, bon, c'est abusé, c'est quoi ça? Quoi? Alors ça, je m'attendais pas à ça. Ça va, c'était une sacrée chute. Ouais. Pour un chat qui est censé retomber sur ses pattes. Doc doit être dans les parages. T'as, mais en plus, Doc, c'est son père, mais c'est vraiment Marty et Doc. Hein. C'est sûr à 100%. Il y avait un fan dans l'équipe. On doit pas être loin. Oh merde, je suis blessé. Oh, le petit chat. Bah oui. La patte arrière gauche là. Voilà. Soigne là. Voilà, ça va mieux. Petit coup de l'échouille. Et hop. C'est vraiment parce que techniquement on est censé être allé dans les égouts. Et en vrai c'est plus vert et... Alors attends parce que... Il y a deux chemins là. Merde, il y a deux chemins. Attends, ça a l'air d'être le vrai chemin. J'en sais rien en fait. Mais ça aussi, ça a l'air d'être le vrai chemin. Ah non, ok. Scientifique avec qui je travaillais disait tout le temps qu'il voulait prendre sa retraite dans une petite maison de campagne et passer ses journées à pêcher. Bien entendu, c'était impossible en ville et personne ne pourra le faire avant au moins 100 ans. On atteindra l'extérieur. Qu'est-ce qui se passera si on, si on trouve une petite maison de campagne avec une petite canne à pêche inoffensive et pleine? Quoi que ce qu'avait voulu mon scientifique. Et pour commencer, on devrait aller trouver Doc. Bah, c'est toi qui parles. Hein. C'est chill, lui, sa petite planque là. Non, parce qu'elles servent strictement à rien, ces interactions. C'est pas comme si ça te redonnait de la vie ou... Ils auraient pu mettre, hein, une notion de... Il faut que tu... Si, ça sert. C'est vrai. Ah, pour le platiner. Pour patiner, comme les patounes. Ouais, j'ai patouné le jeu, ouais. Regarde-les là-bas, là. Ça se dispute. Ah oui, voilà, pour platiner, moi. Donc ça sert à rien. Après, je peux comprendre qu'ils aient pas voulu mettre une notion de barre de vie et de santé. Et de... Là, au moins, il n'y a rien à l'écran, c'est plus immersif. Ah, faut rester une heure à dormir. Ah ouais, d'accord. Non, je croyais que c'était en mode, tu peux, faut dormir partout où c'est possible de dormir. Ce qui aurait été encore plus chiant. Qu'est-ce qu'on a là?
Ok, il me manque un objet. Générateur électrique, mais on dirait qu'il lui manque une pièce pour fonctionner. J'avais compris tout seul, B12. Je suis un chat intelligent. C'est beau là. C'est super beau là. Ok, voyons voir. Suivons les câbles déjà. Ah, on peut pas gratter une canette là? Non, elle est pas allumée. Oh, ce changement d'ambiance là. Alors là-haut, il y a une entrée ou une sortie. Oh, ça fait des expériences ici. Oh non mais c'est Doc. C'est incroyable. Ah mais c'est incroyable. Waouh. Hey, t'es pas un Zerg toi? Mais qui es-tu? C'est mon badge que tu portes. Comment t'as trouvé ça? C'est mon fils qui t'envoie? Oh. Simous petit fils. T'as pourtant été pas loin de la maison hein. Franchement ça coûtait quoi de revenir 20 mètres en arrière et de dire à ton fils que t'es en vie? Là par contre. Ah non mais là y a aucun doute possible hein. Genre les stylos dans la poche, le badge à droite, mais c'est genre tout. La coupe de cheveux, j'en parle même pas. Ah ouais, c'est mon jeu. En fait c'est... Ils sont partis tellement loin dans le futur qu'ils sont arrivés dans cette période où les journées font 16 heures. Enfin 32 heures. Je suis seul ici depuis des lustres. Je suis venu tester mon défluxeur. Mais il y a eu un pépin. Ah peut-être qu'on va trouver la DeLorean, non? J'aimerais rentrer chez moi, mon fils me manque terriblement. C'est pas très loin, t'abuses. Tu peux inspecter la maison si tu veux, mais j'ignore complètement comment fuir cet endroit. Bah y'a non doc. J'ai vu des humains porter ce genre de tenue. Ils étaient petits et couraient partout en faisant beaucoup de bruit. Ah oui, je me rappelle maintenant, c'était des enfants. Les rues ont l'air bien plus vivantes avec eux. En dépit des difficultés qu'ils apportaient, les adultes avaient l'air de beaucoup les apprécier. Doc dit que Simus lui manque. C'est la même chose. Non. Dis donc, ce serait pas ça ton déflecteur machin truc là? Nom de... J'ai un truc mec qui lâche un nom de Zeus. Attention avec le défluxor. À charge pleine les orcs, il en fait de la bouillie. Bah c'est le but hein. Dis qu'on... Ah. Alors, dans le film c'est 2,21.
gigawatts. Qui est d'ailleurs une erreur de la... Et que c'est pas une erreur de la VF, parce qu'en VO il dit la même chose. Sauf que ça n'existe pas les gigawatts. En vrai c'est des gigawatts, gigawatts ça n'existe pas. Et le seul truc qui offre autant de puissance dans le secteur, c'est le générateur, ok. Non, parce que dans le film c'est l'uranium. Hein. Il ne démarrera pas, je crois qu'un fusible a fondu. Et avec tous ces urks, je peux pas me permettre de risquer de sortir de... Ok. C'est plus drôle, gigawatt. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Gigawatt à l'oreille, ça... Je ne suis pas assez rapide. Mais toi, si. Si tu parviens à atteindre le... T'es bien le père de ton fils. Hein. Si tu parviens à atteindre le générateur et remplacer le fusible, tu devrais pouvoir recharger le defluxor. Allez, suis-moi. Je vais te montrer quoi faire. Y'a pas de mitraille. Ah, peut-être que les Zurks ne craignent pas les balles. Ah, une mitraille, il faut viser. Et en tant que chat, je pense que c'est plus facile de viser avec une lumière. Tu vois pourquoi je sens qu'eux, ils vont servir de cobaye pour le défluxor. Tiens, prends ce fusible, il est tout neuf. Allume le générateur à faire du bruit pour attirer. Si tu n'aurais pas le générateur, je pourrais charger et allumer le défluxor. Je vais te suivre ce câble et remplacer le fusible. Non mais c'est bon, je sais. Je sais où il est le générateur, je l'ai déjà vu. Il me l'a donné, ça y est. Oh merde, je voulais pas te parler. Ouais. Et là on va voir que le retour va être beaucoup plus dangereux. Gigawatts. Voilà, il a attiré les petits potes. Ah oui, ça marche bien ton truc. Bro. On va rester dans la lumière. Hein. Ça... Oh. Ça arrive à l'infini ou... Ouais, ça arrive à l'infini. Oh merde. Oh merde. Oh non, là, il peut pas m'aider. Oh, c'était chaud. Génial, tu as allumé le générateur. Je suis pas passé par là. Ah oui, par la droite. J'avoue, je fais que passer par là. Il doit y avoir un autre chemin. Mais... Tu as vu comme le déflux ça. Je crois que t'as été le... J'ai pris le pire chemin. Ils sont tous arrivés sur ma gueule. Ah, j'ai vu comme il est puissant, ouais. C'est vraiment notre seul moyen de sortir d'ici. Attends une minute, je pourrais peut-être le fixer sur ton... Sur ton drone. Ah, c'est B12 qui va avoir le défluxor. Ah, c'est pour ça que je l'aurais moi sur le dos. C'est bon, le défluxor est maintenant fixé sur ton joli drone. Par contre, c'est vraiment un nom de merde, un défluxor. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec... aussi peu de puissance. Si tu l'utilises trop, il peut dysfonctionner. Mais n'oublie pas que c'est dangereux. Et maintenant, retournons au village. Fiston, me revoilà. Papa est rentré. Et comment on l'utilise? C'est la lumière normale.
Tu l'aurais appelé comment? Ah, oh, j'avoue, je sais pas. Je suis nul pour... Pour donner des noms. Aucune idée. Mais des Fluxor, on dirait un nom de dentifrice. Il m'a pas expliqué comment m'en servir par contre. C'est maintenant le tuto? Ok, LB. Ok, il y a une petite barre, je sais pas. Miaou. Comment ça va? Efficace. Ah oui, ça a l'air efficace, oui. Waouh, ça marche super bien. Mais comme je le craignais, gare à la surchauffe. Non, mais c'est bon. C'est pas les mêmes boutons. Ah, t'as joué sur PS4? Bah ouais, moi je suis sur PC, donc c'est la manette Xbox. C'est les boutons Xbox. Ça devait être L1. Dans ce cas, je laisse refroidir un peu. J'espère que j'ai... Ok. T'as vu les miens? C'est Doc. De nom de Zeus. Et son fils, c'est Marty. Mais ça, à tous les coups, c'est des robots. Ils ont trouvé des cassettes des films. Ouais. Ce serait trop marrant qu'il l'explique dans le jeu. Cet interrupteur ne fonctionne pas. On dirait que l'électricité a été coupée. Ah bah, on n'a pas beaucoup progressé. Hein. Je vais faire quoi du coup? Bah, je dois retourner voir le fiston. Mais là, je suppose que je dois remettre le courant, parce que c'est moi qui dois tout faire ici. Ah, c'est là-haut. Ok. Alors, il faut bouger ça, mais je peux pas le tourner. Ah oui, non, d'accord. J'ai compris, c'est bon. Oh, petit bug graphique là, on voit la queue sortir du bidon. Hop là. Oh, petite ambiance. Ah oui, les chats d'aujourd'hui, mais lui... On a dit qu'il s'appelait Simba. Il s'est fait tout seul, lui. Hein. Il a ni dieu ni maître. Hein. Il avait juste des copains qu'il a perdus. Les musiques sont vraiment stylées. Hein. Oh crap, c'était quoi la touche déjà? Ok, d'accord. Ça s'est pas allumé. Ça s'est pas allumé. Ça s'est pas allumé quand j'ai appuyé la première fois! C'est John Wick. Ah, John Wick, il avait un chien. On connaît la suite. Du premier coup. Pourquoi ça s'est pas allumé la première fois que j'ai appuyé? Ah, parce qu'il met du temps à sortir. Ah, s'il est dans ton... Dans ton harnais, il met du temps à sortir. Yo, oui. C'est quoi cette émote? Elle est de circonstance. Elle est trop bien, ton émote. Ah merde, il faut que je... réinterrupteurise. Bon, là, je me prépare. Venez, les gars. Allez hop! Allez hop! Putain! Il m'a sauté dans la gueule!
Ah ouais, la surchauffe, faut faire attention. Les modes de base, putain, je l'ai jamais vu celle-là. Ou alors ils l'ont rajouté récemment, je sais pas. Wouh! Il est en train de se faire bouffer Doc! Referme, referme, referme! Ouf, c'était chaud, rentrons à la maison. Quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est derrière la porte. Ah, on voit ces petites pèces. Petite démarche infiltration là. Bah pourquoi je sens la douille arriver là. Ah non, j'ai rien dit. Ah c'est parti. Ils auraient dû lui mettre une casquette, ça aurait été encore... Ouais, j'avoue, même pas la peine. C'est abusé. Oh. Les robots sont capables d'aimer. Merci d'avoir sauvé Doc, petit ami. C'est vraiment chouette que Seamus ne soit plus seul. Attends, mais en plus, c'est trop marrant parce que Seamus, c'est le nom de l'arrière-grand-père de Marty dans le 3. Seamus McFly. Maintenant, on sait qu'on peut contre-attaquer les Zurks. Momo t'attend à côté, du côté des égouts. Merci. Doc et Seamus ont l'air contents. Je crois qu'on a bien travaillé tous les deux. Putain, il me manque une canette là. Je peux pas... Je peux pas acheter ça là. C'est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça coûtera 3. On va peut-être plus tard. J'ai pas les moyens. Les musiques, ouais. D'ailleurs, en parlant de musique, j'ai quelques partitions à filer à notre pote là. Mais oui, j'en ai plus, tiens, regarde. Partition 7 sur 8. Information d'importance relative. Ici, elle a été composée par un algorithme de renom. On dirait une musique de Super Nintendo. Ah, il s'arrête pas. Comment je fais pour lui redonner une... Vas-y, c'est bon. Ouais, j'en ai d'autres. Tiens. Petite valse.
Ah bah c'est un robot. Hein. En plus, instruit, faut le dire vite. Hein. C'est un bidon d'essence, son truc. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Ok, il en reste deux. La balade du robot solitaire. Je crois pouvoir jouer ça, regarde. Enfin, écoute plutôt, mais... Ah ouais, on imagine un chat, seul dans les rues la nuit. Il rentre dans le premier bar qu'il croise. Il n'y avait pas un rat. Petite dernière. Retour au calme. Attends, ça me dit quelque chose cette saison. J'ai l'impression que t'as un truc grave connu. Ouais. Après c'est ultra générique. C'est... T'aurais été beau qu'il y ait la BO de Retour le futur. J'avais Plastic Love ou je suis fou. C'est quoi Plastic Love? Rencontrer? Attends, c'est pas Momo? Ah non, Benzou. Momo t'attend sur son bateau. Tu peux aller les retrouver. Mais as-tu fait tout ce que tu voulais faire ici? Ouh, parce que je vais refermer la porte derrière toi. Je n'ai pas envie de les... Ah, on pourra pas revenir. Merde. Bon bah du coup, il me manque une canette. C'est con ça. Vous avez pas une canette ? Ça se trouve c'est un gros distributeur, je suis passé 50 fois devant, je l'ai jamais activé. On fait juste un petit tour vite fait pour voir si c'est pas un truc ultra évident. Non, non. Y'a pas de distributeur. Bien sûr, nos pas. Dans le bar, j'avais vu, on pouvait pas. On pouvait pas voler de canette. Là, y a pas de canette ici. Toujours ce bug, mais c'est ouf, hein. Pourtant, on a changé de zone. Hein. C'est très bizarre, non? Que ça reste. Genre, on dirait qu'il y a un robot qui a des pop et il a laissé ses vêtements. Y'a pas une petite boisson énergisante dans le bar là? Ah.
t'as bien une petite canette ici, là, non? Tant pis. Et là-haut, il y a quoi déjà? Ah oui, il y a le billard. Bon bah c'est pas grave. Direction les égouts. C'est qui lui? Joxy. Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, c'est tous ces trésors. Il devrait rendre visite au troqueur. Il y en a pour tout le monde chez lui. Bah merci, je suis au courant. Le distributeur en hauteur. Ah putain, ça me dit rien, ça doit être ça. Je vais essayer. Bah c'est sûrement ça d'ailleurs. J'avoue, je pensais pas trop au distributeur quand j'étais là-haut. Comment j'étais monté déjà? Oui, c'est sûr qu'il y en a un dans le coin là. Ah, je dis ça, mais j'en vois pas là. Zéro distributeur. Ok, ça me rassure. Bah pour la peine, je fais tout tomber, voilà. Parce que je suis pas un chat patient. On est d'accord qu'ils sont en extérieur, hein, ils sont pas dans les maisons, dans les... Celui-là? Non, c'est pas celui-là. Ou alors j'ai déjà pris. Je crois que j'ai déjà pris, hein. Et c'est juste qu'il s'est éteint. Parce qu'il a l'air en bon état. Contrairement aux autres. Non, à mi-hauteur. Alors ça me dit rien par contre, à mi-hauteur. Mi-hauteur, c'est quoi? C'est Alors là, je suis à mi-hauteur là. Ah, c'est sûr que si on cherche des distributeurs, le jeu il va durer longtemps. Merde. Ah non, c'est pas limité, hein. Faut juste que bah... C'est juste logique, il faut qu'il y ait de quoi grimper.
En fait, le fait de pouvoir sauter plus librement, ça aurait servi à rien. Genre là, si tu veux sauter mais qu'il n'y a rien, t'aurais juste fait un saut débile. Juste que tu perds un peu en immersion d'avoir le bouton qui apparaît, quoi. Ça aurait peut-être été mieux qu'il fasse un petit truc... je sais pas, un petit truc lumineux ou pas forcément le bouton de la manette. Si on peut pas y aller. Bon bah je crois que tant pis hein, pour le distributeur. Hein. Mais je veux le trouver. Après, s'il est à mi-hauteur, c'est peut-être plus simple de le trouver en étant en haut. Non. Je crois que je vais abandonner. Ouais bon allez tant pis, on avance. Wow, petite ambiance là. Ah ouais, il montait pas, il ferme direct. Momo, c'est sympa ici. Attends, je fais le tour. Voilà, ça servait à rien. Pas un petit souvenir qui traîne là? Non? Eh ben, on peut y aller. C'est incroyable que t'aies retrouvé Doc et obtenu le défluxor. Avec ça, on va pouvoir trouver Sbaltazar. Allons-y. Ah, j'avais oublié ça. Je l'avais oublié, lui. Et moi, là-bas, je cherche mes potes. Hein. Je veux juste retrouver ma famille. Les égouts. Droit donne la chair de poule. Donc ça va.
On a vu pire, hein. En fait. Les urks, ça nage pas de toute façon. On risque rien là sur ton bateau. Sur ta penny. On est à Venise. C'est l'amour et la mine et la coin de la noce. C'est l'amour. Il hey, faut que je t'ouvre la porte, c'est ça? Tu vas encore me dire c'est trop dangereux. Non, faut que je t'ouvre la porte, ok. Oh, ça sent le Zerks là. Je sais pas si vous sentez vous aussi. C'est comme une petite odeur de Zerks. Ah, j'ai vu Toy Story 4, rien à voir. Je l'avais jamais vu. Comme il est arrivé là sur Disney+, j'ai kiffé. Ok, c'était sûr. Ah oui, d'accord, faut vraiment... Il y a un petit temps, quoi. Faut trouver le timing, hein, parce qu'il faut les éclairer, mais pas trop, mais quand même assez. Allez, ouvre-toi, là. Ce qui est bien, c'est que tu peux même viser en courant dans l'autre sens, vu que c'est le robot qui vise. Putain, j'ai réussi à la rater. J'ai surchauffé. Il y en a un, j'ai réussi à la rater. Ces gants ici. Bah, on les a vus là-haut. Hein. C'est quoi ça? Et ça? Ça va nous tomber sur la gueule, mon pote? Ouais, passe en dessous, y a pas de problème. Non, il saute pas? Tel traquenard quand même, hein. Ok. Là, ça fait petite musique. On dirait qu'on est sur l'Amazon dans la jungle là. Péter ton truc. La vieille machinerie est complètement cassée maintenant. Je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement.
Ah, peut-être qu'ils vont faire Stray 2 en coop. Vite, sous la porte, elle ne tiendra pas très longtemps. T'as dû me donner ton plan avant de le faire. Pas venir avec toi. Je continuerai à chercher une sortie, ok. Quand tu trouveras ce Balthazar et Clémentine, dis-leur que j'ai fait preuve de courage. Oui, c'est bon. Je... Ah, c'est pas sexy ici, hein. S'ouvrir ça. Tranquille, hein. Partout. Hein? Tu vois pourquoi Jean-Claude les deux, ils sont deux. Ils vont se débloquer du bug et je vais me faire. Oh, ils sont pleins même. Intérêt à sortir du bug. Hein. Merde, ça a pas suffi. Ouais, je les ai libérés pour rien en fait. Ça valait pas le coup. Ok. On va aller là ou pas? Non. C'est trop bas. Eh, une ambiance, hein? Attends, mais juste pour savoir, est-ce que ça s'ouvre si je les laisse tranquilles? En fait, si je passe vite à côté, ils s'ouvrent pas. Ça sert à rien de faire le mec qui veut tout ouvrir et tout tuer. Là, ils sont nombreux quand même. Ah, mais là, l'interrupteur est là, donc ils vont forcément péter quand je vais appuyer dessus. Ok, pas forcément. Ok, ça c'est fait. Trop bien le son. Vous attends.
Putain. À chaque fois, j'ai oublié qu'il y a un petit délai. Entre le moment où t'as fait, le moment où c'est efficace, il y a toujours un qui a le temps de me sauter à la tronche. Waouh, c'est quoi ces yeux là? Ah non, ça par contre, c'était pas au programme. Hein. C'est dégueulasse ça. Regroupez-vous bien. Quoi? Mais pourquoi je pouvais pas tirer? Pourquoi je suis resté coincé? Il a pas fait de lumière. Yo Alba. Non non, j'ai appuyé sur elle. C'est chelou. C'est comme la caméra elle était bloquée contre le mur. Merde merde merde. J'ai l'impression que B12 il était plus là. Genre la caméra elle était comme ça. Ouais c'est bizarre. Juste un petit coucou, je suis au même endroit. Ah tu le fais aussi. Il est cool hein. Bah c'est gentil. J'espère que ça va. Ouais c'est sympa. Bah écoute ça va ouais. Un peu chaud mais comme tout le monde. Voilà je vais pas me faire avoir. Ils arrivent. Putain c'est vrai qu'ils arrivent des deux côtés. Ça marche, à plus Alba. Bonne soirée. Vous voulez les éclater ça? Non. On barde ma gueule. Mais non. Moi je me bats moi. Putain. Il y a toujours un qui... J'ai surchauffé. Toujours un qui fait chier. Tu bombardes, t'en réveilles encore plus, je pense. Exprès de venir les uns après les autres. Je surchauffe. Merde. Moi j'ai tracé. Ah moi je suis pas un speedrunner moi. Moi je vais la regarder un par un dans les yeux avant de les éclater. Telles les pustules qui sont. Rien par là. Y'a rien. C'est grand quand même. J'ai même plus ce que je cherche. Ah oui, c'est Balthazar. C'est Balthazar.
Pas un dans l'œil. Oui. Ah, faut que j'ouvre les deux. Ah, c'est trop loin. Crap. Ah, merde. Non. Oh putain, à chaque fois il met du temps à sortir, ça me trigger. Il devrait être tout le temps dehors, Méduse. Voilà, reste dehors, éclair. Ouh là 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 là, c'est dégueulasse. La tronche de Méduse. Oh, la surchauffe. La surchauffe qui arrive. Ah bah c'était sûr. Oh, il a attrapé son petit copain, c'est mignon. C'est stylé. Oh la vache, oh la vache. Ça va. Ça va. On a eu pire. Non, par contre B12 Ah. Tu me lâches pas, beau. Il faisait noir, j'étais seul. C'est comme si j'étais revenu dans le réseau. Ah, c'est comme ça que t'appelles Bossfield. Mais tu m'as sauvé, merci l'ami. Pour autant d'énergie à épuiser mon cœur. Le défluxeur est complètement détruit maintenant. On doit faire attention. Ah genre c'est fini. Il nous donne une arme. On l'utilise 5 minutes. Et maintenant c'est démerde toi. Ok. On n'a pas eu le temps de trop s'habituer, c'est bien. Ah oui, ça marche plus effectivement. Complètement destroy le truc. Au moins ça limite les options. Hein. Maintenant il ne nous reste plus que la fuite. Sbaltazar, je présume. Ah non, pas du tout. C'est Aladdin. Un voyageur venant des égouts, on n'avait pas vu l'un des vôtres depuis des lustres. C'est toi qui nous as contacté un peu plus tôt, petit extérioriste. Balthazar l'extérioriste t'attendait. Il est en train de méditer au sommet de notre village.
Waouh, c'est sympa ici. La fourmilière. Ça, c'est stylé. Là-bas, on dirait que c'est en train de cueillir des fruits. De faire la lessive, je sais pas. Cette machine, le scientifique dont j'étais assistant, en utilisait une comme ça. Il était malade, c'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. Ah, la sorte de sarcophage là. Je ne l'ai pas accompagné, il était seul, que faisait-il? Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Attends, quoi? Il s'est envoyé dans l'ordinateur? Ah non, ça transfère ton esprit en mode robot. Mais il y a eu un problème lors de l'envoi, il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce que un petit chat apparaisse. Genre tout lui revient là, c'est ça? C'est donc ça, c'était ça. C'était moi, le scientifique, c'était moi. Ah! Genre je l'ai aidé à... Ok. C'est marrant. J'étais humain. J'ai besoin d'une pause. Ah ouais, faut digérer ça. Hein. C'est marrant, donc ils transfèrent leur esprit dans les machines. C'est pas Elon Musk qui veut faire un délire comme ça? Je suis désolé, je... Pas tout de suite, je n'ai pas envie de parler pour l'instant. Ah merde! Mais comment on fait? Alors lui, il a l'air apaisé de ouf. Ça va? C'était trop tentant. J'ai pas fait exprès. Ouais mais attends, si je peux plus parler, on va être un peu dans la merde là. Bon allons voir ce Balthazar, que d'ici à ce qu'on puisse lui parler, B12 aura repris ses esprits. Ah, ils ramassent et ils remettent hein. C'est bien fait. On va attendre qu'ils aient tout remis pour le refaire. Regarde quoi. Attends, il y a plein de monde à qui parler là. Oui. On peut plus monter. Ici. Ah voilà. Qu'ai-je oublié d'autre? Je dois bien avoir des parents, des amis. Que leur est-il arrivé? Je voulais ouvrir la cité, mais reste-t-il seulement quelqu'un à sauver? Ah bah ça on le saura.
Vu qu'on l'aura fait, hein. Oh. Ah ouais, ça a l'air mystique. Qu'est-ce que c'est? C'est ce Balthazar. Hey, tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale? Ah, c'est toi. Tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance, petit extérioriste. Tu connais Momo et Doc, alors tu nous connais aussi. Nous, les extérioristes. Il me manque, leur souvenir m'apporte la paix. Momo est resté dans les taudis. J'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc et Clémentine. Non, on n'a pas trouvé Clémentine. Ah non, et Clémentine, elle est au centre-ville maintenant. Si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. Tiens, prends ça, j'ai écrit son adresse au dos de cette photo. Pour aller au centre-ville, monte dans notre petit village. Pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Je te souhaiterais bien de bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. Je crois en toi. Ok. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Bah, c'est pas grave. Je suis humain, sans doute le dernier au monde. Et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontant à la surface, combien en ai-je oublié. Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourrait restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On peut descendre pour obtenir d'autres renseignements auprès des compagnons ou poursuivre direction le centre-ville. Bah j'avoue que j'ai un peu la flemme de redescendre là. Mais bon, allez. Pour le lore. Oh bien le bonjour, nous n'avions pas eu de visiteurs depuis si longtemps, enfin si on accepte ces dernières heures bien sûr. Imagine que l'on puisse contrôler leur puissance, les faire trotter dans une roue, quel gâchis d'énergie. Enfin si c'est que des trucs comme ça, je vais vite remonter hein. Quand je serai grand je veux être comme tante Clémentine, j'aimerais bien aller explorer le monde comme elle, mais les adultes nous ont interdit de quitter la fourmilière. Ouais, ok, allez on va vite remonter. De quoi apaisant des déchets qui tombent, cascade scintillante sans danger. Quel lieu merveilleux où ciseler ma poésie. Tiens, écoute. Oh non. Toi, puissant béton, bouclier noir et sombre, seras-tu aussi ma tombe? Trouve ça trop pompeux? Non, ça va. En fait, cette nourriture est horrible. Mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais devoir me dévisser le boîtier frontal si je continue à manger cette saleté. On me surnomme le chef conserve. Ma spécialité, c'est le surcyclage des restes. Plat du jour, ramen J45 avec mon ingrédient secret. Avec une prise RJ40, c'est un ramen de prise RJ45. Le fameux ramen Ethernet. Hein? Je peux prendre des fleurs? C'est chelou ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'une fleur? Les gars, comment on monte? Tu sais, il y a écrit sans issue. C'est vraiment sans issue?
Ah, il y a encore des étages là, hein. Il a dit de monter. Ok. Salut l'ami, comment vas-tu? C'est vrai que tante Clémentine nous a appris comment faire pousser des plantes spéciales qui peuvent vivre sans lumière du soleil. J'en ai une énorme collection, tu veux la voir? Mais il me manque encore certaines couleurs. Ah, c'est pour lui les fleurs. Il me manque une fleur jaune, une fleur rouge et puis une fleur violette. Seulement quelqu'un de petit et d'agile pouvait m'aider à les trouver. Bah tiens, déjà prends ça. J'adore cette couleur, merci. Ah oui, d'accord. Aucune récompense. Pff, je m'ennuie. Tante Clémentine faisait classe ici. On a appris plein de trucs sympas. J'avoue, la petite salle de classe. Silence les enfants. Comment ils font eux pour monter? Déjà moi c'est limite mais... Après un ramen avec cette chaleur, c'est pas ce qui me fait le plus envie, j'avoue. Là en ce moment je suis plus salade fraîche. Tu mangeais des soba froids. Ah ouais, c'est à quoi ça? C'est quoi des soba? Ok, donc là il faut mettre un objet. Une sorte de fusible encore, je suppose. Soja et yakosoba. C'est quoi yakosoba? À chaque fois, il y aura un mot que je comprends pas. Dire, bah, c'est du maïs, c'est du sinju. Des grosses nouilles blanches. Ah oui! Ah, et donc ça se mange froid, ça? Yakisoba. Ah. Oh, le métro. Tu peux. Ouais, mais c'est genre... Oui, remarque, on fait bien des salades de pâtes fraîches. C'est très très bon, d'ailleurs. Petite salade de pâtes là, des petites fusilli froides avec de la feta là, du thon et... Oui, il y a pas de raison. Des petites nouilles... Une station de métro. J'avais complètement oublié que ce moyen de transport avait existé. On pouvait aller partout en ville, les gens se servaient pour aller au travail, je le prenais aussi. Chaque matin, après avoir dit au revoir à ma famille chez moi... Ah bah tu te rappelles de ta famille? Je me rappelle, c'est pour eux que je le faisais. Mais ils sont partis maintenant. C'était il y a trop longtemps. C'était il y a longtemps, je rajoute des mots. Je voulais voir l'extérieur, mais... Est-ce que ça a encore une quelconque importance? Quelle heure est-il arrivé? Que sont-ils devenus? Ça se trouve, ils sont sortis. Enfin, on approche du centre-ville. Allons trouver cette Clémentine. Il y a une photo d'elle, on peut la montrer aux compagnons du secteur que nous mettrons peut-être sur le bon chemin. C'est vrai qu'on a une photo de Clémentine. Cinq minutes d'arrêt.
Oh, tu peux faire des petits dérapages, hein. C'est la Fast and Furious, hein. Prends la main. Pas de canette, non. De toute façon, je pourrais pas retourner là-bas. Putain, mais ils avaient vraiment fait des lignes de métro et tout sous terre. Bon, de... par définition, le métro, c'est généralement sous terre, mais... Mais là, je veux dire, dans leur truc, quoi. Salut. Il y a plein de livres ici. L'héritage du test de Turing, l'éthique de l'intelligence artificielle. J'en reconnais certains, j'avais une bibliothèque. Je me souviens que rien n'égalait l'odeur d'un livre dont on tourne les pages. C'était une sensation presque réconfortante. Hier, c'était comme passer du temps avec quelqu'un. Oh, c'est beau ce qu'il dit, putain. Le doc. Ah, c'est le doc, attention. Il est pas très bavard. Et si je lui montre une photo de Clémentine? Oula, il a l'air pété, lui. Hein. Elle peut pas parler, hein. C'est sympa ici. On recherche Clémentine, fauteuse de troubles, extérioriste, rebelle, veut signaler tout. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ce genre de délire. Je te l'ai déjà dit 5 fois, Yosh. Tu ne peux pas courir partout comme ça, c'est dangereux. C'est la première fois que je vois ce genre de robot. Ça a l'air trop doux. C'est parce que je suis pas un robot. Ah mais du coup, ça allait rechercher, ils vont jamais me dire où elle est. Oh, c'est la fille sur l'écran de recherche, c'est ça? Je devrais demander à quelqu'un d'autre. Je suis bien assez occupé avec Yosh pour être au courant de quoi que ce soit. Ah d'accord, il y a la police et tout. Je vais décliner votre identité. Pour opérer, nous allons devoir vous transférer en prison pour vous réinitialiser. D'accord. J'ai que t'es là occupé, mais j'ai une petite question. Laissez-moi tranquille, c'est pas moi que vous recherchez. Si vous cherchez Clémentine, je parie qu'elle se cache dans la résidence. Voilà. Le mec, il la balance direct. Vas-y. Là. Ça c'est quoi? C'est l'ascenseur et les condamnés. Accès au niveau inférieur strictement interdit pour cause de danger biologique. Vous pouvez ne pas approcher ce secteur. C'est qui? On va parler. Wouah! Le centre. Putain, je m'étais en demandé, mais on est au centre-ville là? C'est stylé! Je pense que là, on reconnaît tous quel type de ville c'est. Hein. C'est assez évident que c'est Dunkerque. Grosse vibe Dunkerque là. Ah lui, il kiffe les vaches. Réfléchis à ça. Demain, si je remplace mon bras par un autre bras robotique, et le lendemain, mon autre bras aussi, et puis mon corps, et ainsi de suite, jusqu'à avoir remplacé toutes mes pièces et amélioré mon logiciel,
Serais-je le même robot que celui auquel tu es en train de parler en ce moment? Ah, mais c'est connu ça, ce paradoxe. C'était pas avec les bateaux? Je crois que c'est une histoire de bateau, genre si t'as un, à l'époque des bateaux, les voiliers et tout là, en mode Sea of Thieves. Il disait si tu répares... Ouais voilà c'est ça. Si tu répares une planche, puis tu changes une planche, puis une autre planche, puis une autre planche, et qu'au final t'as remplacé toutes les pièces, est-ce que c'est le même bateau qu'elle a... Vision a fait ce truc. Vision de Marvel. Ah j'ai pas... Ça me dit rien ça. C'est sûrement un truc que j'ai pas vu. Chez l'EcoCorp, on travaille toute la journée pour collecter les déchets et les envoyer à l'étage inférieur où ils les recyclent et les... Putain ouais, c'est vraiment en mode les gueux en bas quoi. Et puisqu'on parle de l'étage inférieur, ça fait un petit moment qu'on a plus de nouvelles. Vendavision, ah j'ai craqué. J'ai craqué au bout du deuxième épisode. J'ai pas accroché du tout. Tout le monde me dit ouais, force-toi après c'est... Désolé mon petit, tu ne peux pas jouer par ici. L'usine EcoCorp n'est pas un endroit pour une petite boule de poils comme toi. L'accès est interdit mais seulement pour quelques temps. Tu peux participer quelques années. Tu peux patienter quelques années, on rouvrira bientôt. Ah oui d'accord. J'ai tout mon temps. Ah merde, il y a une vitre. Oh là, lui il a l'air d'être de... en mode... Oh! Il est blasé. Je suis occupé, qu'est-ce que tu veux? Toi tu sais des choses hein. Fais pas genre que tu lis le journal, il est à l'envers. Tu vas pas me la faire. Vraiment stylé hein, le centre-ville hein. Ils sont bien bossés hein, les détails et tout. On se croirait dans Yakuza. Le club est fermé, dégage. Ah oui, t'es qui, la police? Tout le monde la cherche. Il n'est pas laissé rentrer si c'est ce que tu veux savoir. Et je dois te croire. Oh, ça a l'air grand là quand même. Est-ce qu'il y a de la verticalité ici? J'ai pas l'impression qu'on puisse se balader là-haut. Des escrocs de marchands m'ont vendu une batterie défectueuse l'autre jour. Et maintenant il fait semblant de ne pas m'entendre quand je veux lui en parler. Si les sentinelles ne patrouillent pas dans le secteur, il finira en pièces détachées. Bah non, il a l'air vraiment en panne hein. Merde. Ah. Ok, c'était le... Alors c'est à l'envers. Donc c'est 8, 5, 4, 2. Page de chat. Ça sert à quoi? Ouais.
Ah, c'est vraiment stylé. Visuellement, cette zone, elle est incroyable. Putain, même les reflets et tout. Ouais, ça, voilà, c'est vraiment ce que j'arrête pas de me... Non, allume pas la lumière, B12. C'est ce que j'arrête pas de me dire. Le ray tracing, ça sert à rien. Je suis désolé. C'est vraiment de l'enfumage, quoi. Pour te faire payer ou consommer plus de puissance de ta carte graphique. Parce que là, il n'y a pas de ray tracing et c'est très beau, quoi. Dans la ville en dessous, j'avais un ami là-bas, Fifi. Je ne l'ai pas vu depuis des lustres. Oh, Fifi, ça me dit rien. Oh, petite canette. Ah non, pourtant c'est allumé. Ah, j'ai cru. Ah, mais du coup, Ah oui, j'ai même perdu mes canettes en fait. Ah oui, j'ai que la photo. Ah ouais, donc c'est vraiment genre la zone, c'est fini quoi, on redescendra plus. Annonce, si vous cherchez quelqu'un pour discuter poésie, j'habite sous l'ascenseur. Bonobot. Avant je tenais un bar, c'était l'endroit le plus confortable du coin. Jusqu'à ce que je prenne un coup de tournevis dans le genou et là j'ai dû fermer. Sympa. Même si ce type me déprime, c'est mon seul client. Essaye de ne pas le faire fuir s'il te plaît. T'inquiète pas, tu me casses. Ah mais c'est grand. What, c'est immense. Enfin, on s'entend quoi. Magasin de fringues. C'est la boutique la plus branchée du centre-ville, mais son propriétaire est du genre grincheux. Es-tu un de ces punks qui écoutent de la musique à fond toute la journée? Ne touche à rien, ne fais aucun bruit, ne demande aucun crédit. Ok, boomer. Voler la veste. Let's go. Ah, il m'a vu. Ah, il faut que je fasse diversion. Ah, on va lui mettre de la musique qu'il aime pas ou un délire comme ça. Ah, j'ai pas de cassette. Ah, il faut que je trouve une cassette. Ça te va très bien. Il faut que je trouve une cassette de punk. Et ça c'est quoi? Désolé, la boutique est fermée, j'attends les livreurs mais ils n'ont pas l'air pressés. Boutique de chapeaux. Par contre, je sais pas du tout où je vais trouver la cassette. Je ne faisais que marcher près de l'ascenseur quand les sentinelles m'ont hurlé dessus.
Ça fait des années qu'on nous raconte que la surface est inhabitable. On accepte ça comme un fait établi, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, quelle jolie photo. J'y crois qu'elle me rappelle quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Mon disque dur bug un peu ces temps-ci. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider. Tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Au moins, il est gentil. Tu sais quoi, mon ami? N'approche pas des sentinelles. Elles sont méchantes. Et elles ont eu mon pote Pablo. Il l'a pris pour 350 ans, alors fais gaffe. Oh, Clémentine, à ta place, je l'éviterai. Tôt ou tard, elle se fera prendre par les sentinelles. Mais continue à demander autour de toi et tu finiras par la trouver. Sache simplement que tu trouveras aussi les ennuis. L'autre, il avait parlé de résidence. Menu du jour, air sec et bol d'huile chaude de qualité supérieure. Que puis-je faire pour toi, chef? Tu peux me régler avec du vrai argent? Non, mais c'était pas pour te payer. Ça dit quoi les normes d'hygiène ici? T'as pas l'air fou, hein? Oh! C'est mignon. Là, comme il regarde la caméra comme si. Et là on y est allé, là on n'y est pas allé. Ça m'a l'air prometteur ici. J'essaie de télécharger une assistance à la visée pour être meilleur à ce jeu, mais je ne suis retrouvé qu'un logiciel malveillant. J'ignore pourquoi, mais tout a l'air bizarre maintenant. Jolie photo, je crois avoir déjà vu cette fille. Elle cherchait des informations sur toutes sortes de très vieilles machines bizarres. J'ai maîtrisé tous les jeux qui ont existé, mais je ne comprends rien à celui-ci. Il y aurait quelque chose qui m'échappe? Je crois avoir déjà vu cette fille. Elle cherchait des informations sur... Oh là là! Mon pote m'a déjà dit la même chose, ça ne sert à rien ce que tu... Je sais pas, Tonin. J'aime à peu près tout. Ah, ils me disent tous la même réplique, quoi. Notre monde doit te paraître gigantesque vu de tes petits yeux. Tu aimerais bien être aussi petit que toi pour explorer les moindres recoins. Je crois avoir déjà vu cette fille. Si tu me dis qu'elle cherchait des informations... Ah non, elle vit à la résidence, n'est-ce pas? Ok, j'avais déjà cette info, mais ok. Y'a vraiment rien à gratter ici. Ok. Bon bah elle est où cette fameuse résidence là? C'est pas cool là? Tellement cool que je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Oh ouais, je la connais. On se voyait beaucoup, je crois qu'elle vit par ici. Elle parle tout le temps de quitter la ville. Je ne comprends pas, cet endroit est super. Pourquoi partir? Lui, il est bien, lui. Il siffle.
Alors attends, avant d'aller là-bas, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Donc là, à mon avis, on peut pas y accéder. Ça sent l'embrouille. Ok. C'est les sentinelles. Ok, là, tout est fermé. Bah, let's go. La résidence, ça doit être par là. Hé, hey, crétin, on te voit aussi. Ah, les cassettes. J'en veux une. Je peux t'en donner une, mais tu dois faire quelque chose pour Genma, Miko et pour moi. Les sentinelles ont installé 3 caméras de sécurité pour nous surveiller. On n'aime pas ça du tout. Tu peux nous en débarrasser? Mais bien sûr. Elles sont où? 1, 2, 3. Ok. Bougez pas, les gars. Numéro 2. Ah, c'est trop loin. Hop. Et ben voilà. Oh, les petits mouvements de danse là. Yeah, yeah. Il est chaud lui. Donne-moi une cassette. Tiens, prends ta récompense, tu l'as mérité. Merci. On va de ce pas aller à la boutique pour voler le manteau. Parce qu'à tous les coups, il y a quelqu'un qui va avoir besoin de ce manteau. Yeah! La bonne musique de Punk. Allez hop! Salut! On sait pas tout, mais on cherche Clémentine. Vous avez des infos, les gars, maintenant qu'on est potes? Non, ok. Vous avez aucune info. Comme ça, tu as oublié ta feuille de personnage. J'ai passé toute la semaine à préparer cette session. Désolé, j'ai oublié où je l'ai mise. Mais jouons quand même. Je vais descendre dans cette caverne. Allons-y. Et je vois pas du tout de quoi vous parlez, les gars, mais. Lui, il a l'air contemplatif. Il a des choses à me dire, lui. Toi? Tu es quoi exactement? Un quadrupède? Un quadrupède? Pas un quadripède, normalement. Qui fait de jolis bruits? J'aime le concept. Ah merde, attends, je pourrais lui montrer. Une adresse au dos, c'est juste à côté. On approche.
Donc là, la meuf, elle est ici et les sentinelles l'ont jamais trouvée. Pas très doué. Hein. Bah, c'est le pres. Oui. D'accord, c'est dans le coin, mais. C'est quoi ce bruit? J'ai lui fait tous les roulements le mois dernier. Ah, ils viennent pas ouvrir. Ah, faux espoir. Ah, attends! Donc 3 points verts en haut. Et 5 rouges en bas. D'accord. Et donc 3 points verts, c'est 3ème étage. J'avais pas capté. Donc c'est l'appartement 5. Ah, c'est là. C'est sympa. Je t'avais pris pour une sang. Laisse tomber. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Attends. Alors, ce Balthazar s'est résolu à envoyer quelqu'un? J'imagine que tu es ma nouvelle recrue. Il n'est pas bien gros. Comment tu fais pour recharger les égouts? Tu dois être bien malin. Je cherche un moyen d'accéder à l'extérieur depuis que j'ai quitté la fourmilière, mais les sentinelles ne relâchent pas leur surveillance. Puisque tu es là, tu peux te rendre utile. Suis-moi. Mais tu fais pas visiter, Clémentine? Oula, c'est très glauque, ça. Là par contre c'est très mignon. Elle est trop bien cette pièce. Waouh, mais c'est trop cosy. Mais c'est trop stylé. J'ai envie de vivre ici. Ça, par contre, c'était juste pour... rien à looter. Pas un plan pour utiliser ce vieux métro depuis un bon moment maintenant. J'ai même les clés pour commencer. Il ne manque plus qu'une pile atomique. Rien que ça. Je sais que Neko Corporation en cache une dans son usine. J'ai un contact qui pourrait nous aider à nous infiltrer. J'ignore son nom. C'est le robot qui porte une veste bomber et une chaîne en or. Porte-lui ce message. Un être aussi petit et vif que toi ne devrait pas avoir de problème à se faufiler à l'intérieur de l'usine. Dernière chose, n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Cette ville regorge d'informations. T'approche pas des sentinelles. J'ai dit pareil. Ah non, mais c'est trop stylé. Déjà là, c'est mignon, mais là-haut, laisse tomber. Hein. Je monte là-haut, je redescends plus jamais. Si elle a le wifi, bien sûr. Ok, donc il faut aller. Faut descendre.
elle a dit bomber, c'est chienne en or. Attends, mais c'est vers où ça? Attends, je suis pas sûr d'avoir con. À côté de l'usine. L'usine, elle est où? C'était là-bas, l'usine. Ah oui, c'était par là. Non, pas de chaîne en or. Non, c'était pas ici. Ah mais c'était pas le mec qui avait le journal. Il a une chaîne en or ou pas? Il a une chaîne en or. Où est-ce que t'as eu ça? Je savais qu'il était dans le coup lui. C'est le mec qui lit son journal à l'envers là. Oh tu es avec les ex... mon contact? Je vais t'expliquer pour la pile atomique. Ça, il est vraiment cool le jeu. Et puis il alimente l'usine Necocorp qui est tout près. Mais tout le secteur est interdit et lourdement gardé. Il fouille tout le monde et refuse quiconque n'est un ouvrier. Et j'y t'inquiète pas. C'est ce qu'il te faut. Trouve-moi une veste d'ouvrier et un casque. Oh merde, il me faut le casque. Pendant que je reste ici pour découvrir le bon moment pour entrer. Ok, le casque c'était dans... Neko chat. Ah oui. Ok, pas con effectivement. C'est bon, il a ouvert là le magasin de chapeaux. Personne ne prendrait la boutique pendant l'approvisionnement. Et vu la compétence de ces deux-là, ça pourrait prendre du temps. Ouais, Nero, c'est le... Nero, c'est pas exactement un chat. Ça fait des heures que j'attends. Stuplachi. Pour m'aider à livrer les chapeaux. Le patron n'est pas content. S'il est encore en train de traîner au bar, il va le payer cher. Oh putain. Faut aller chercher Stuplachi au bar, c'est ça? Ah ouais, il est comme ça lui. Bon, on va chercher Stuplachi. Parce qu'il est dans ce bar. C'est qui Stuplachi? Putain, y'a pas de Stuplachi. Ah, il est là Stuplachi. Il est là. Ok, donc en fait tout à l'heure je suis monté, ça servait à rien et maintenant ça sert. On va faire tomber ça. Voilà. Plein dans sa gueule. Re du coup au co. C'était bien le film. Chill, ça fait du bien. C'est le principal. Après visuellement et tout, il est beau, hein. ça se regarde. Plus que moi les chansons m'ont gavé. C'est trop, beaucoup trop. Allez les gars là, j'ai besoin de que vous remettiez au travail. Ah bon, il est fan du film.
C'est bon, je peux rentrer maintenant? Oh putain. Ah! Ok, j'ai capté. On se met dans le carton. Oh, c'est de l'infiltration pure. J'aurais dû me mettre direct dans le carton. Ouais, j'entends du Disney dans le parc Astérix. Ouais, c'est assez méta comme délire. Donc t'es allé au parc Astérix. T'as kiffé? Il est spécial. Non mais il est gentil. Hop là. Je suis dans la place. Je suppose que ça sera pour sortir. Alors il faut un casque de chantier. Que voilà. Et c'est vrai, il n'y avait pas trop de monde. J'avoue qu'un week-end comme ça, un beau week-end où il fait beau. Et il est bien le nouveau tonnerre de Zeus? Tonnerre de Zeus? Tout le monde dit que c'est stylé. Ah bah voilà. Le fameux buffet? Quel buffet? Merde, qu'est-ce que je fous, c'est de l'autre côté. Tiens mon pote. Et après c'était une heure d'attente. Ah bah j'imagine ouais. Un week-end. Va me trouver les vestes. Non mais j'ai trouvé, t'inquiète pas, tiens. Hop. Et oui, j'ai tout. Tu as le droit à un buffet à volonté le soir. Quoi? Ah, à la fin des Astérix, ils font un... Ah oui, le banquet. Le banquet des Gaulois, là. Où ça bouffe du sanglier et que ça donne faim de ouf. Ah, y'a pas ça au parc Astérix. Je dois m'habiller, tu veux bien te tourner? On a pris des sandwichs au sanglier. Ça me boudine un peu au niveau de la taille, mais ça ira. Banquet à 19. Ah, y a vraiment un banquet à 19 euros le soir. Ah, c'est possible. Ah oui, je... Ah, tu parlais des sandwichs à 19 euros. Putain, je suis perdu. On les a apportés. Ah bah, c'est la meilleure strat, ça. Parce que les menus à 12 euros, t'as un vieil hamburger et... Saute dans cette boîte, tu fais passer le point de contrôle. Ça marche, bro. Mais du coup, t'as dû voir, moi ce que j'attends, c'est celle de l'année prochaine. L'attraction de l'année prochaine, la Toutatis. T'as dû voir les travaux. Elle est tellement grande qu'on la voit, en fait. Elle est en construction. Vers la trace du rat et tout, là. Ouais, 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 ça a l'air ouf. Ça va envoyer. Ça va envoyer du pâté. Moi, si j'y vais, c'est pour ce fameux banquet. C'est pour bouffer. Non, c'est sympa, hein, parc Astérix. Osiris, c'est une tuerie. Quand il fait chaud, tu fais les attractions à eau. C'est vraiment cool, la manière express et tout. C'est vraiment une autre ambiance de Disney. Hein. J'ai toujours aimé, moi, le parc Astérix. Allez, hop. Nous sommes infiltrés. Osiris en single rider. Ah, pour aller plus vite, ouais. J'avoue, c'est la strat. Mais bon, après, si tu veux le faire avec tes potes, voilà. Tu fais la queue. Hein. Ouais, la bouffe, c'est une histoire d'amour. Ok, bon bah allons-y. Oula, c'est quoi ça? What? What? Putain, mais prévenez!
On peut se faire tirer dessus maintenant. Je suis bien rentré dans la boîte pour crever, pour que personne trouve jamais mon cadavre. Ah bah y'a plus la boîte d'ailleurs. Ok, bon bah maintenant je saurai. Petit côté Metal Gear Solid, ça fait plaisir. À 20h, bah il faisait bon hier à 20h, non? Après c'est sûr que tu sèches moins vite qu'en plein soleil dans la journée et tout. Bah oui, j'étais bien moi. Ok. J'en ai spawn pour rien là. Je suppose qu'il doit y avoir une strat carton ou un truc comme ça, voilà. Analysons un peu. Celui-là, il a pas l'air de beaucoup bouger. Hein. Et nous, dans le sud, donc, il y a autant de jours que de nuit. Ah ouais, nous, ça s'est un peu rafraîchi, mais là, j'avoue que aujourd'hui, j'ai eu chaud. Mais là, c'est bon. J'ai chopé un ventilo. Je vais pouvoir remettre la cam en stream. Ça va être cool. Sur le prochain jeu, c'est Mass Effect. Vu que, oh, oui, il a eu. Bon, ok, on peut pas passer là, en fait. Lui, il bouge pas. Ok, d'accord, j'ai capté. Actuellement 26 ici. 26 là, à cette heure-là? Ah, en plein jour? Ah oui, normalement c'est la température que t'as en plein jour. Combien moi ici? 27. Du coup ça sert à rien parce qu'il fait 27 chez moi aussi, donc ça sert à rien d'ouvrir la fenêtre. Faudra que j'attende 2h du mat pour rafraîchir l'appart. Tu peux m'aider? Bien sûr. J'ai perdu les clés de chez moi dans cette usine immense et sombre. Sentinelles ont refusé de m'aider, elles m'ont dit si tu ne sais pas où aller, il y a du travail ici. Si à tout hasard tu pouvais m'aider à les retrouver, je sais. Ok, d'accord. 30 actuellement? Ah ouais. Oh, ça doit être dur. 30 à 23 heures. Ça, c'est le pire bail, ça. Quand ça baisse pas la température le soir. Y'a rien ici. C'est bizarre qu'il y a un carton là. Attends, mais je peux rien faire là. Ah, c'est là qu'il faut réfléchir. Redépasse ta. Non, nous normalement. On... Ça a ouvert quoi? Là-bas, ok. Normalement 40, nous c'est fini, hein, mais. Il ne faut jamais dire jamais. Ok, donc faut utiliser ça. Pour aller à gauche.
La voiture, j'ai déjà subi 43. Bah en vrai, nous on a eu 42 là au max. La semaine dernière. Moi, le pire que j'ai eu, la température la plus haute que j'ai subie dans ma vie, c'est 51. Bah c'est un délire, hein, je peux vous le dire. Ah, les clés. Ouais, un bon 51 degrés. Tu fais pas le malin. Ouais, en fait, on était, c'était aux États-Unis, dans le désert. Donc, on avait la clim dans la bagnole. Du coup, on s'est pas rendu compte, en fait. On était parti le matin, et à un moment, on regarde la température dans la voiture, on voit 51. Et on se dit, mais et vraiment, tu sais, c'est vraiment genre la route 66, quoi. C'est une route, t'es dans le désert, y a rien. On se dit, mais là, on tombe en panne, on est mort. on est juste mort, en fait. On décède en 20 minutes. Et je me rappelle à un moment où on trouve un McDo. On se dit vas-y, on va boire un truc. Et donc là on a senti les 51 degrés de la voiture jusqu'au... Tu sors de la voiture pleine de clim, tu sors dehors 51 degrés, le goudron sur le parking. Ok, je suis foutu. Je sais pas me réfugier en fait. Ah mais j'y ai refait tout le tour là. Attends, ils peuvent me lâcher là ou pas? Impact sur le pare-brise. Ah ouais, avec la clim. Ah, il faut pas écouter. Ah, ils me lâchent pas. Hein. Faut pas écouter les pubs Carglass. Hein. Ah, ils te cherchent après. Hein. C'est vraiment comme Metal Gear, ils sont en mode alerte et après, c'est bon, retourne à votre poste. Et donc ouais, genre on descend de la caisse pour aller au McDo. Le goudron sur le parking, il fondait sous nos pieds. Et genre nos yeux, ils séchaient. Le vent chaud. On pouvait pas garder les yeux ouverts longtemps parce que avec la chaleur, ils séchaient. Hallucinant. C'est vraiment affreux. Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas si la chaleur peut... En fait, c'est les changements de température brusque qui provoquent ça. Le chaud, ça fragilise... Goudon fond a fait que c'est plus... Ah ouais, non mais... Quand le sol sous tes pieds devient tout mou, là tu te dis ah ouais, c'est pas normal. Ok, nouvelle mécanique de gameplay. C'est un truc qui me suit. On va le mettre là-dessus, je suppose. C'est ça, le camion avec plaisir. Donc là, il m'en faut 3. Ça, il faut l'ouvrir.
fait, il m'en faut deux et moi je serai le troisième. Les musiques sont trop stylées. Attends, comment je monte là-haut? Est-ce que ça... Je peux pas le tourner. Mm-hmm. Ah bah putain, mais je suis con. C'est pas con. C'est marrant, c'est la première fois qu'on avait un plan avec une caméra fixe à la Resident Evil. Voilà, ça s'est fait. Ah, c'est ça la pile qu'on cherche. Ah merde! Ah non, il faut vraiment un troisième truc. Oh les morlés. Ah. Alors attends. C'est plus compliqué que je ne pensais. Est-ce que... Ah, je m'étais dit il y a peut-être un trou et du coup on peut bouger le bidon pour l'amener là-bas, mais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, ça sert à rien. Et dire, est-ce que ça peut passer ça? Mais non, pas du tout. De toute façon, ça me suit donc. Ah, mais si, il y a un trou! Ah ouais, d'accord. Ah bah, c'est exact, ok. Oula, le petit ralentissement dégueulasse. Ah, c'était un piège. Ça y est. Vite, filons avant l'arrivée des sentinelles. Il faut ramener cette pile à Clémentine. Bah c'est par là, je suppose. Ouais. Ah mais j'ai oublié de ramener les clés à l'autre. Tout à l'heure. C'est con ça. Ok, allons chercher Clémentine. Vraiment stylé le centre-ville. Hein. J'aime trop là. Oula, elle s'est fait choper. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la sentinelle dans le coin. Oula, 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 oula.
Merde, c'est condamné. Merde. Lui, il a pas l'air de bouger des masses, donc bon, en fait, on passe là. Oui, d'accord. C'était tout con. Elle est plus là. Merde. Elle est là-haut. Bah merde. Ah bah si elle est pas chez elle Aucun signe de Clementine. Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait une sorte de message codé. On va devoir jouer au détective pour découvrir ce qui lui est arrivé, regarde. À l'attention de B12 et du chat, la réponse est dans mes affaires. Il y a 4 symboles. C'est signé Clémentine, regarde. Ok. Donc la lumière, une sorte de cône, une sorte de pierre. Le premier truc, par contre, je sais pas ce que c'est. Une plante. Donc la lumière, c'est ça? Pas du tout. Inspecter. T'as trouvé quelque chose? Bah la lumière, c'est ça, non? Ah, c'est peut-être la lumière qui est là-haut. Ah, ça y est. Ils ne peuvent recréer la sensation d'apaisement dont je me souviens. Comme moi, les compagnons n'ont pas d'odorat. Alors je me demande pourquoi ils font ça. Il y a aussi un message caché sous le récipient. Il est écrit « Je suis avec ». Comment j'ai mis plusieurs minutes pour ça? Ah ouais? Ah ouais, je sais pas. Moi je trace moi. Ok, on a le premier indice. Donc il y avait ça, il y avait une sorte de pierre. Il y a une autre. Au pied, il y a des trucs là-haut, donc on va regarder là-haut. Ah, la pierre, elle est là. Cette gemme est de valeur moyenne et d'une pureté faible. La veillance semble avoir été rajoutée artificiellement. Et ça peut être de guide pour nous, vous aider à trouver quelque chose d'utile. Bingo, il y a un message, c'est écrit Blazo. Je suis avec. Ok. Ah là-haut la lampe. J'ignore totalement ce que c'est, mais ça brille et c'est un peu envoûtant. Désolé, j'étais absent. Je n'avais même pas remarqué ce message-là. Il est écrit club. Non, non, non. Donc le troisième truc c'était quoi? Une
une sorte de cône. De cône ou de chapeau. Non, ça me dit rien. Ah mais c'est ça. Un reloduc à mettre dans un appartement, moi je suis d'accord. C'est ainsi que les compagnons voient les humains. C'est assez marrant. Regarde, on a laissé quelque chose ici. Il est écrit venez au. On a tout. Je suis avec Blazer, venez au club. C'est ça, bien joué inspecteur le chat. Et maintenant allons la trouver. Le temps presse. Ok. Par contre, quel club? Mais quel con! C'est bien, j'ai bien révélé la position de sa cachette aux sentinelles. Ah bah du coup, je les brain. Ah oui, mais non. Ah bah. Oups. Le club. C'est quoi le club? Ah, c'est le club où je pouvais pas rentrer tout à l'heure là. Ici. C'est pas pour toi, va-t'en. Vu que le leader nous laisse rentrer. Eh les gars, je crois qu'il va encore falloir qu'on grimpe par derrière. N'en dis pas plus. Salut Albert. Oh, c'est qui ça? Bon alors attends, on peut monter par là apparemment. Il veut pas me parler lui. Salut, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, comment t'es monté ici? Bah je suis un chat. Tu veux faire la fête avec nous? Allez, entre et viens boire un coup. La tequila. Ah, c'était ça son nom? Ah, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Il s'appelle la tequila. Oh, il en a pris. Hein. Il en a pris un peu. Hein. Ok. Commencez par aller nous prendre un petit mojito là. Prendre boisson bizarre. Ok. On est déjà en train de looter. Oh merde! Ah merde! Non. Je voulais pas aller. Bon, c'est pas grave. Quand j'étais humain, mes amis et moi nous rassemblions pour faire la fête toute la nuit, quitte à en subir les conséquences le lendemain matin. J'ai du bien d'éprouver de la joie malgré nos conditions d'existence invivables. Et ces conditions n'ont fait que devenir de plus en plus sordides sous la surface. Tout comme l'avidité capitalistique d'entreprises comme NecoCorp. État policier créé par les sentinelles. Maintenant, je me souviens pourquoi on faisait ça. Bon bah, je suppose qu'on peut remonter par l'ascenseur.
Allez, on retourne au disco club. Oh, il est stylé le dragon là. Tu l'aimes mon masque? C'est moi qui l'ai fait, de ouf. Ça brouille les scans des sentinelles et il est trop cool. Mais je veux le même. Pff, c'est nul ce club. J'ai voulu entrer dans leur salle VIP de crétins et m'ont éjecté. Moi, tu le crois ça? Alors j'ai volé ce levier juste pour déconner. Tu m'offres à boire, je te donne ce stupide levier. J'en ai pas besoin. J'ai pas envie de me faire prendre avec. Allez, tiens. Ok, on progresse sans même le savoir. Par contre, c'est le levier de quoi? Elle est où? Oh, elle est Daft Punk! Salut tout le monde, ici DJ Matty. Que la fête commence! Et zébardé! C'est la première chanson demandée par notre ami le plus que douteux, Blazer. Ah! Mon Blazer est bien là. Pourquoi je peux pas monter sur la platine? Et on a le levier. Conk, abaisse le levier. Ah, là on peut aller sur la platine. Ah non. Bah c'est pas ça le but. Ah, il faut enlever les deux leviers. J'ai pas vu qu'il y a un deuxième. Ça servait à rien. Ok, je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, mais c'est pour monter, non? Du coup, j'ai pas vu ce qu'il y avait à gauche. Là, il y a plein de boutons là. On voit pas trop ce que ça fait, mais. D'accord. Oh, j'ai flippé. Écran noir brusque comme ça. Salut Willy Wonka. Raph, entretiens d'excellentes relations avec les sentinelles. Je ne comprends pas ce que les gens leur reprochent. Ok, t'es un vendu toi. J'ai bien envie de chier dans ton verre. Voilà, je casse tout. Voilà, j'espère que t'as bien payé cher tes bouteilles. Oh! Ah oui, d'accord. Effectivement, tu t'entends bien avec les sentinelles. Oh, c'était un traître! Tin, tin, tin!
Blazer le traître. T'es pas aussi malin que t'en as l'air, le chaton. Enfin, je t'en veux pas, les affaires sont les affaires. Et les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Explique-nous bien en quoi t'es un gros connard. Ça se sentait depuis qu'il a laissé l'indice dans l'appart, elle ne connaît pas Blazer. Oui, c'est vrai. Elle a juste dit qu'il avait un bomber, c'est une chaîne en or. Hein, c'est vrai. On aurait dû tilter. Putain, on n'est pas des bons détectives. Ils sont à vous. Oh la pauvre Clémentine, elle est en stress, regarde. Oh! Game over. Bah c'est bien. Oh! Oh les bâtards! Ok, donc là c'est Tomb Raider. La force centrifuge! Allez, go! Tu as bientôt fini le jeu. Ah bah, de toute façon, je le finis ce soir. Hein. Même s'il est tard, demain je suis de repos donc. J'ai pas envie d'arrêter et genre après je le reprends et il reste 40 minutes, tu vois. Non, non, là je suis bien dedans. Le jeu est cool. On se le finit. Là, on peut pas y aller, on est d'accord. Oh, les musiques. La prison. Ah oui, d'accord. Ok. Sauter là-dessus d'ici. Et de là, ah oui. Hop. Cette agilité. Ouah, mais c'est affreux. Oh les pauvres. Je vais vous sauver les gars. Oh, ils l'ont transformé en modem 56K. Il y a de la sentinelle dans le coin. Alors là. Ah putain. Putain. Merde. Ah, je suis mort.
Oh. Ah bah ça tombe bien. Ah, il a plus de tête lui. Ah, les effets de lumière sont ouf. Hein. Putain. Ok, là je suis mort. Je sais pas pourquoi il m'a pas shooté. Mais c'est quoi son pattern à lui? Parce que j'ai l'impression qu'il va un peu n'importe où. Ah, ils sont sensibles au son. Ok. Ça me sert à rien. Ah, j'ai plus B12, je viens de m'en rendre compte. Depuis tout à l'heure, j'avais pas remarqué. Oh, pauvre B12, je l'ai complètement zappé. Il y a une vitre là, non? Ah, je me dis, c'est trop facile. Ah oui, c'est vraiment la prison, quoi. T'as ce passage, ça me fait trop penser à... Bon, c'est pas un chat, c'est un chien, mais... Dans The Mask, quand le chien il va chercher les clés. Dans la... Quand l'autre il est au commissariat là. Ah, pas le fromage, les clés. Te faire sortir toi, ça va être un peu plus compliqué que moi. Hein. À moins que t'aies une idée. Qu'on retrouve B12. Ah oui, on peut pas du tout communiquer du coup sans B12. Oh la vache, ah ouais lui... Mais c'est l'ennemi public numéro 1 quoi. Trop mignon le chat.
Il veut pas abandonner son copain. J'ai pas compris ce que t'as dit, mais j'espère que ça veut dire on va le libérer. Ouais, tu vois là par exemple, voilà. Exemple typique qui est un peu dommage. C'est que là, j'avais même pas vu qu'il y avait un truc en haut. Et le A, il m'a backseat. Et c'est bizarre parce que des fois, même quand tu vises, ça apparaît pas. Et là, il apparaît direct quoi, le A. Ça, c'est dommage. Ils auraient dû trouver autre chose que ce système de boutons. Que le jeu il a pas du tout de HUD, donc c'est très immersif. C'est le seul truc qui, ouais, c'est un détail, mais c'est sûr parce que c'est le seul truc qu'ils ont mis. Donc tu te dis, bah ils auraient pu faire en sorte qu'il y en ait pas du tout. En fait, tu mets une petite lueur, un petit truc plus discret qu'un bouton. Donc en plus, c'est vraiment le bouton de la manette, c'est le truc qui te sort du. Casse le quatrième mur, quoi. Merde. Je suis foutu. Ok, ça passe. Oula. Ah là, je vais pas m'en sortir par contre. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance tout à l'heure. Ça va. Ouais, les jaunes, c'est bon. Mais du coup là, c'est quoi le bail pour... Attends, si je suis en haut, il me voit? Ah non, il voit que en bas en fait. Ah oui, bah ok. Et parce qu'il est pas assez agile là pour me choper. Je suis un félin, ne l'oublie pas. Attends, parce que là... Ah oui, d'accord, en fait, il faut être là-dessus. Ah non, pas du tout. Ah, ok, d'accord. Hop. Putain! Il me voit pas? Je suis caché. Voilà, oh, il est. Là, il est claqué, là.
Vas-y. Bah c'est vrai qu'on me voit pas. Hein. Oh, il a eu une dure journée le robot, on va pas lui en vouloir. Il est un peu fatigué. Ouais, bon, ouais, essayer d'analyser un peu son pattern quand même. Comme les T-Rex ? Sa vision est basée sur le mouvement ? Je pense pas. J'ai pas envie de faire l'expérience parce que je vais me retrouver au tout début du niveau. Et puis il serait pas fait chier à nous mettre des cartons si il suffisait juste de pas bouger. Ah là, ils sont déjà en mode jaune, hein. Ça veut dire que ils cherchent quoi. Ah, je me suis coincé. Faut que j'aille où? Ah, je peux ressortir là-bas en fait. Crap! Et là, ils sont deux en plus. Ok, ça passe. T'as clippé. Vas-y, ok. Avec Kiss Me sur sa main. Dis-moi que t'as pas perdu la mémoire. Oh, les petits potes, ils sont réunis à nouveau. J'avais l'impression d'être à nouveau enfermé dans le système informatique de mon labo tout seul. Et tu es revenu pour moi, je n'arrive pas à y croire. Oh, c'est beau. T'es vraiment un ami. Je suis vraiment ravi qu'on se retrouve, mais on n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on trouve comment sortir d'ici. Tu peux ouvrir cette porte ? T'attends quoi là? Grimper dessus. Merci. Alors attends, bouge pas que je t'ouvre. Tu sens cette odeur de liberté? Sentinelles bloquent à nouveau le passage, elles vont me repérer immédiatement. Et si tu essaies de les attirer dans ces cellules pour les enfermer. Laisse faire. Là, il faut être stratégique. Attends, est-ce que tu sais à qui tu parles? La stratégie, c'est toute ma vie, ok?
Tu vois ce type par terre là-bas? Il a été réinitialisé. Je ne veux pas perdre ma mémoire, j'ai très peur. T'inquiète pas. Je gère. Ah oui, effectivement. Ce centre de récupération m'a fait le plus grand bien. J'ai l'esprit clair et lucide. Je suis un citoyen exemplaire maintenant. Bah yes. Ok, donc faut les enfermer ici. Allez, salut. Bon, je suppose que ça c'était la phase tuto. Et après ça va être un peu plus complexe. Ce pauvre type. On dirait que Sentinelles sont sans pitié pour ceux qui... Ouais bah j'ai bien vu. Hein. C'est bien ce que je craignais. Elles l'ont complètement annihilé. Plus aucune émotion, plus de conscience de soi, plus de souvenirs. Dans ce pays, on ne doit pas se faire prendre. Attends, si je comprends bien l'idée des souvenirs là, je viens de choper le dernier. Ah oui, effectivement, on devait pas être loin de la fin. Oula. Eh, ne t'attire pas d'ennui. Je n'ai plus que 758 ans à tirer et je suis libre. Ah, bientôt la quille. Ah, les vraies peines de prison. Hein. Ok, d'accord. Donc là, c'est une double entrée. Et c'est stupide ce que je viens de faire. Ah oui, il faut mettre les deux en même temps. Ok, c'est complexe. J'ai bien fermé les portes, je me suis bien enfermé dehors avec eux. C'est parfait, c'était mon plan. Ah, il me voit ici. Alors tout à l'heure, il me voyait pas, et ici, il me voit. Non mais en fait c'est tout con. J'avais oublié qu'en fait je pouvais dire au robot de... Aouh ! Je pouvais dire au robot d'ouvrir et moi faire ma vie. Il te restait 3 de souvenirs. Ah ouais, il m'en manque plein. J'avoue que je cherchais pas spécialement à 100% T. Ah mais moi je peux passer. Ah oui d'accord, bah alors c'est encore plus simple. Je suis là. Ah ouais, c'est encore plus facile.
J'ai rasé après, j'étais deg. Ouais, je me dis, mais c'est gros en bas, on peut passer. Après tout, on est un chat. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu. Je vais pas t'abandonner, j'ai pas fait tout ça pour rien. Cette porte, c'est le seul moyen de sortir de cette prison. Je crois qu'on peut l'ouvrir à partir de cette salle de contrôle. C'est la seule porte pour sortir de la prison. Il n'y a pas un garde. Logique. Mais il faut qu'on trouve comment accéder à cette salle. Fouillons les lieux. Les clés. On a de la chance, ils ont laissé les clés de la porte. Grimpe à l'arrière du camion, tu devrais pouvoir sauter par-dessus. L'alarme se déclenche. Oups là! C'est vraiment Metal Gear Solid. Hein. Ça, c'est la fin de Metal Gear Solid 1, ça dans le tunnel et tout. Tu sens les inspirations quand même. On n'ira jamais avec les sentinelles sur le dos. Tu peux détonner leur attention un instant, mais tu dois partir. Le manifeste des extérioristes dit « Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. » Je l'ai écrit. Et sacrifie. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons plus tous obligés d'attendre dans l'extérieur. Mais l'un de nous doit y aller. Clé de métro. Vas-y, maintenant! Tu resteras gravé dans ma rame, petit extérioriste. Ah, et donc on est revenu ici. Là, il y avait le mec bizarre la dernière fois. Il est plus là. Et on va conduire le métro. Bah non. Si, c'est pas moi qui vais mettre la clé, c'est le mec qui va conduire le métro, non? Je retrouve le mec chelou. Attends. Je vais mettre la clé là. Ça se trouve, c'est pas du tout là que je devais aller. Bah, si, y'a qu'un chemin. Hmm.
Là, je reviens en arrière, là, c'est bizarre. Ah, mais oui, j'ai la pile. J'avais complètement oublié. Neko Corporation. Bah, je crois qu'on est bon. Ah bah si, c'est vraiment moi qui vais conduire. Ok, c'est parti. Si on regarde le plan de la ligne de métro, il y a deux stations. Salle de contrôle. Ça rappelle de vagues souvenirs de Paris. Monsieur l'agent, que puis-je faire pour vous? Ok, là c'est beau gosse ici, non? Tout est propre, tout est clean. Ah oui! Ah oui, oui, oui! Ah oui! Vous pouvez encore me dire que puis-je faire pour vous? Station habitant de la cité murée 99. Ah oui, non, d'accord. Je suis en train de peindre ce secteur. Attention à la peinture fraîche. Bonne journée à vous. Il y a plus de flou ici. Tout est écrit en anglais? Ah oui. Bien vu. C'est la première fois qu'il y a des... Bah des mots compréhensibles en fait. Station habitée de la cité murée 99, cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédure de confinement. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée à vous. Ok, on va aller voir les ingénieurs. Attends, j'ai l'impression qu'on est en haut du dôme là et qu'on... Wouah! C'est stylé. Ah et donc là c'est vraiment genre les bidonvilles quoi. Là c'est le centre-ville. Et nous là on est encore au-dessus. Ok, la salle de contrôle est ici. Un protocole de sécurité empêche d'ouvrir la salle de contrôle. Il est écrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. Il est aussi écrit que je ne suis pas considéré comme étant humain. C'est pas gentil ça, protocole de sécurité. Peut-être qu'en collaborant, on pourrait ouvrir cette porte. Je peux rien faire.
Ok, je me suis pas pris de coup de jus, c'est un miracle. Ah bon, c'est... Ah merde. Encore besoin de lui? Ah non? Ah, je pensais. Je pensais qu'il fallait le mettre là. On va avoir des humains? Stade de contrôle pour la ville tout entière. Il y a tout ici, c'est vide. Je me souviens à quel point je les détestais. Ils avaient tout, l'hygiène, un pouvoir illimité, la liberté de mouvement ne leur a pas porté chance. Ouais, ils sont tous morts pareil. Hein. Épidémie, je me souviens maintenant. Tout le monde mourait, ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai vu mourir ma famille. Je me sentais impuissant, je ne pouvais rien faire pour les aider. Mais je peux encore t'aider toi. On peut encore sortir d'ici ensemble. Je vais transmettre les souvenirs de l'humanité à des gens que j'aimais. Et des gens que j'aimais. C'est vrai qu'ils étaient bien ici, hein. On y est, c'est l'ordinateur central. Selon l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville tout entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on le désactive, on devrait pouvoir sortir. Il va falloir remettre en ligne le reste du système. Les ordinateurs contiennent les données dont on a besoin. Il faut les allumer. Pendant que tu fais ça, je vais chercher le mot de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. J'allume les ordi. Ah, là j'ai éteint l'ordi. Ok, bah c'est juste ça. Ça a marché, bon travail mon ami. J'ai trouvé. Je sais comment ouvrir la ville. Il y a encore un truc qui cloche. Attends, il y a peut-être un moyen. Voilà, c'est la station de travail pour ouvrir la ville. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser. Et maintenant, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire de mieux. Moi, je pirate les machines et toi, tu sors tes griffes. Allez. Oui, attends, mais je sors mes griffes, mais... Ça a servi à rien. Ah ok, d'accord. Ouh, c'est avec moi. Le système est mieux verrouillé que prévu. Alerte, intrusion. Ah, ça a balancé des sentinelles. Oh non, il faut qu'on continue. Bah moi je veux bien, mais y'a quoi d'autre à péter là?
Il va pas survivre lui. Hein. Oh, il est en train de. T'inquiète pas, je pourrais me recharger quand on aura activé. Ouais. Il est en train de claquer là. Ouais. Je sais pas pourquoi je sens que ça va mal finir pour B12. Pas le con B12 hein. J'ai besoin de toi. Voilà. Je crois que j'en ai plein la coque. C'est bon, ça va aller. Il m'a simplement la station de travail et on peut désactiver cette. La station de travail c'est là. Ouais, ça sent la fin foireuse là. Hein. Et voilà, nous sommes saufs. Écoute, tu dois te confier quelque chose. Vous savez qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville. Bien plus énorme que tout ce que ce drone pourrait fournir. Et maintenant que la sécurité est activée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. Et en prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel. Mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur. Avec toutes les conséquences qu'ils peuvent reçu. Ok. Bon bah. Au revoir B12. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. C'est trop triste putain. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnons et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Oh là 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 là. Tu étais mon ami, le meilleur ami dont j'aurais pu rêver. Merci. Chier. Faut pas avoir une petite fin heureuse en mode. Mec, est-ce que vous êtes dans un autre robot? Ouais, mais il a mis des centaines d'années déjà à se mettre dans celui-là. Oh putain. Oh, c'est trop triste. Attends, mais comment j'accède à ça moi? Oh, la lumière du soleil. Ça les tue pas? Ah si, ça les tue. Je vais leur faire tout drôle. Ah merde, je pensais que c'était pour le prendre. Ah, je peux même pas le prendre avec moi quoi. Bon bah salut mon pote. Hein. Ah, c'est stylé. Ouais, du clipping là. Hein. Mais bon, en même temps, c'est normal. Comment on sort par contre? Ah bah oui, il y avait la porte là-bas, là. Ouvrez, mon brave.
Est-ce que je vais retrouver mes copains? Bah c'est ça. Oula, les bandes noires qui se mettent là. Ça sent le plan final. C'est comment dehors? En tout cas, il y a plein de plantes. Oh, il y a des oiseaux, des papillons. La vie sans les humains, c'est merveilleux. Ouais, il vit sa meilleure vie là, au soleil. Ah mais je retrouve pas mes copains en fait hein. C'est ça. C'est là. C'est bien ce qui me semblait. Au début du jeu, avec tes amis, t'es pas à la surface. T'es pas du tout à la surface. Donc y'avait aucune raison que je les retrouve en fait. Enfin pas là en tout cas. Médouze est maintenant la ville. Ah genre son esprit il est dans le... À la fin tu vois les PC s'allumer dehors. Ah j'ai pas fait gaffe. Si t'es genre sur le dessus de toute l'infrastructure, il y avait du soleil. Non je crois pas. Hein. T'as vu la hauteur du truc? Je tombe pas de cette hauteur. Et je commence tout en bas. Non, c'était vraiment dans les égouts, mais il y a des moments où t'as l'impression qu'il y a de la lumière du jour, mais c'est des spots lumineux en fait. En tout cas, c'était stylé. Tu veux que je te fasse gagner du temps? Genre quoi, pour passer le générique? Avoir les souvenirs ne sert à rien. Ah, c'est pas une surprise, hein. C'est juste pour les succès. Hein. De toute façon, je comptais pas les faire, les souvenirs. Bah attends, juste pour... Avant de me barrer. Putain, minuit pile. Si ça, c'est pas du timing. Ah, il me manque 10. Regarde. À l'intérieur du mur. Je m'attendais à un post-crédit. Oh, t'es trop habitué à Marvel. C'est pas la norme, hein, les post-crédits, je crois, dans les jeux. Et alors, je suis sûr qu'au début, ils sont sous terre. Pas du tout. Le premier plan, c'est littéralement le ciel. Mais est-ce qu'ils sont à la surface? Mais ils sont pas vraiment à la surface. Je suis pas sûr. Le ciel, la pluie. Ah, la pluie, ça veut rien dire. Parce qu'à l'intérieur, il pleuvait aussi. Il y avait de l'eau qui tombait et tout. Infiltration, tout ça. Mais là, on voit le ciel, j'avoue, on voit... Mais c'est pas possible que je tombe d'aussi haut après. Ah oui, non, mais y'a pas de... Ah oui, et d'ailleurs dans le jeu, il explique à un moment que la... C'est la lune qui fait que la rotation de la Terre s'est ralentie. Et effectivement, elle est plutôt proche, là. Ah, effectivement, on est... Sans être complètement à la surface, on dirait qu'on est vraiment genre au bord du truc, quoi.
Bon bah, peut-être qu'il va retrouver ses petits potes alors. Il y avait une ellipse quand t'as chuté. Ouais, mais ellipse ou pas, je serais mort en fait. T'as vraiment l'impression qu'il tombe de 10 mètres dans les égouts. On va me v'la rassurer. Il va retrouver ses potes. Et ça, c'est cool. Non, bah écoutez, un bon petit jeu. Ça fait plaisir que ça change. On aime ça.